Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Pokémon Master pour la suite de la Battle Villa. Alors, avant de commencer la Battle Villa, je me suis un petit peu fail. Voilà, je vais vous montrer tout de suite ce qui s'est passé. On va se rendre dans la Villa des combats et vous voyez que l'échelon 25 il est terminé. Alors que lors de la dernière vidéo, on s'était arrêté à l'échelon 24. En effet, j'ai voulu faire des tests d'équipe sur l'échelon 25 et je me suis complètement loupé, hein. J'ai complètement oublié de quitter avant la fin et je pensais que c'était l'avant-dernier duo que j'avais sur l'un des côtés, et en fait non, c'était le dernier, et du coup ça m'a et bah du coup j'ai terminé le 25 hors vidéo. Néanmoins, je vais quand même vous expliquer comment j'ai complété l'étage 25, hein. Donc l'étage 25 ici, malheureusement on peut pas voir ce qu'il y a comme duo, mais on voit quand même qu'il y a les trois faiblesses, donc Fée, Eau et Sol. Et j'y suis allé avec une team qui, donc c'est pas la première fois que j'en parle, c'est Majaspic, Lacmessine et Mew. Voilà, j'y suis allé avec ce trio-là. J'ai pas claqué tous mes PPC, j'ai voulu faire des tests un peu de PPC, mais néanmoins, c'est passé avec cette team le niveau 25 du coup. Donc vous pouvez largement utiliser cette équipe pour passer le niveau 25. Il y aura d'autres sessions vidéo sur la Battle Villa et j'essaierai de pas me fail et de pas terminer notamment un niveau de boss comme le 25 sur un fail. Du coup, on va attaquer l'étage numéro 26, 27, 28. Peut-être 29, on verra jusqu'à où on y va, mais au moins on va faire ces trois-là. Donc c'est faiblesse ombre et insecte. Pardon, insecte. Du coup, pour la psy et pour la ombre, on va à peu près utiliser la même équipe que sur les deux combats. Donc ici, on va pas prendre cette équipe-là loin de là. On va partir sur cette équipe-là pour la psy. Alors pour la psy, on va partir sur cette équipe. C'est pas 100% du free-to-play. Lacmessine, évidemment, c'est free-to-play. Tatia et Celeroc, c'est un duo qu'on invoque, hein, mais c'est un 3 étoiles, donc logiquement, il est plutôt facile à choper. Et du coup, Mewtwo qui est un duo free-to-play, mais qui n'est pas revenu depuis un moment. Il est revenu du coup en début d'année, je crois, au niveau des, un peu après les 6 mois, je crois plutôt. Et il n'est pas revenu depuis. Peut-être qu'il va revenir prochainement, mais Mewtwo qui est un duo du coup légendaire, hein, qui est issu d'un event légendaire et qui est un duo extrêmement fort. Il n'a pas de plateau et encore heureux. Je pense que s'il aurait un plateau, il serait complètement broken. Mais on va partir du coup comme ça. Alors, on va garder cette même team sur les deux combats, du moins on va essayer de garder cette même team sur les deux combats, simplement parce que Mewtwo a une attaque psy et une attaque ombre. Donc on va pouvoir l'utiliser en tant que striker sur les deux équipes. Alors pourquoi j'ai pris Celeroc ici? Simplement pour son omni défense spé et son augmentation d'attaque spé et d'attaque enfin d'attaque et d'attaque spé du coup sur l'équipe. Donc on va utiliser un PPC de chaque, histoire de booster un peu Mewtwo, parce que Mewtwo ne peut pas se booster lui-même en attaque spéciale, donc il lui faut un support. Donc on va d'abord utiliser Celeroc ici. Alors on va passer en vitesse plutôt x2, voilà, hop, 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 on va faire juste un seul PPC de chacun. On va focus du coup le Pokémon du milieu. Et on va spammer choc mental du coup avec Celeroc. Donc c'est bien entendu Lacmessine qui va tanker. Donc ici voilà, on a du coup Mew qui fait quand même un petit peu de dégâts. Alors malheureusement on va pas pouvoir attaquer avec Lacmessine vu qu'il a pris un ligotage. Ça c'est assez embêtant. On va le laisser encaisser, hein. Lacmessine de toute façon il est là pour tanker. On va attendre que Celeroc fasse son choc mental. Voilà, on va capacité duo avec Mew. Pas utile de soigner sur l'instant avec Lacmessine. Voilà, bah, Mewtwo, surtout que j'ai un talent surprise dessus, j'ai puissance critique 2. Donc évidemment, Mewtwo, ça fait relativement bien le taf. Hein. On voit qu'il fait quand même assez mal, il n'a qu'un buff ici d'attaque spé. Et c'est passé
facilement. Mewtwo, il est extrêmement fort. Évidemment, si vous n'avez pas Mewtwo en termes de personnage psy, vous pouvez utiliser Misty Griff. Alors, Misty Griff, évidemment, il a un plateau, lui, il n'est pas obligatoire, mais il est intéressant. En termes de poké psy gratuit, je dis bien, il est intéressant. Maintenant, vous pouvez très bien utiliser Mew également, hein, Mew qui est un... que vous pouvez utiliser un peu partout, hein. Mais du coup voilà, je préfère utiliser un peu des pokés différents ici. Mewtwo, ça reste un duo free to play, même s'il n'est pas revenu depuis un moment. Voilà, c'est pas une team avec énormément de gros pokés. Par contre, en nombre, malheureusement en nombre, hormis Mewtwo en tant que striker, vous allez peut-être pouvoir utiliser alors. Soit on veut utiliser du coup Agatha, mais Agatha je suis pas sûr que ce soit vraiment très très efficace hein, ici. On peut utiliser Agatha et Ectoplasme, d'ailleurs on va peut-être faire un test avec ici. Ah oui, la raison pour laquelle j'ai pris Celeroc aussi en tant que support, c'est comme ça j'ai le talent type. Voilà, donc le mien, sûrement Mewtwo, il est monté niveau 4 hein, ici, donc c'est aussi pour ça qu'il fait un peu de dégâts, et du coup ici on a un plus 30 HP, donc c'est pour ça aussi que j'ai pris le Celeroc en tant que support pour le talent de type. Alors on va tester avec Agatha du coup sur ce combat là, hop, on va changer ici le bandana pour mettre le bandana d'ombre, et on va partir avec cette équipe. Voilà, donc Agatha qui est un duo 4 étoiles qui n'est pas gratuit, hein, que vous pouvez obtenir dans les... dans les tirages, pardon, voilà. Donc là, on va hypnose sur le centre et ensuite on va balombre, tout simplement. Donc là, hop, on claque les deux du coup PPC. On va pas tarder à soigner avec du coup... avec l'acmessigne. Petit choc mental, petite potion. On va se mettre en stand-by, donc l'acmessigne claque la pots et du coup balancer notre capacité duo pour passer du coup en méga ectoplasme. On a réussi à mettre confus sur le Noctunoir hein, ici. Voilà. Il fait quand même certains dégâts hein, l'ectoplasme et le méga ectoplasme. Ouf, pourquoi on a pris une petite tarte ici. Hein, voilà, ça fait quand même quelques dégâts, hein, on va pas se le cacher. On va remettre une potion sur l'acmessine ici. Très bien, on va prendre une capacité duo derrière. Alors surtout avec ectoplasme, si vous utilisez ectoplasma du coup et Agatha, ne faites surtout pas sa capacité dresseur, car sa capacité dresseur va lui faire perdre énormément de points de vie. Donc ne faites surtout pas sa capa dresseur, hein, c'est complètement inutile. Ici, deuxième capacité duo avec ectoplasme, on va éliminer nos cuvoirs ici. Et normalement, on ne devrait pas avoir de soucis à éliminer les pokés sur les côtés. Hein. Alors par contre, on n'a plus de potions avec l'acmessie, on n'a plus non plus de PPC sur le je prends mon envol, donc c'est un peu problématique quand même. On va devoir changer de support. Voilà, donc on devrait terminer le combat, voilà. Ça passe quand même relativement facilement avec Agatha, Tatia et Celeroc et du coup l'acmessine, ça passe assez facilement. Hein. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais non. J'ai un peu sous-estimé Agatha. Ensuite, on va passer au type insecte. Alors là, en type insecte, free to play, on va pouvoir utiliser... enfin, même pas, c'est même pas free to play. Je dis free to play, mais ça ne l'est pas. En tant que free to play, vous avez seulement Mascadra. Violette et Mascadra. Moi, je l'ai en 2-5 parce qu'on avait eu un event, un entraînement insecte, il y a un moment qui nous avait donné un doublon du perso. Et j'ai son plateau. Mais, alors, on peut utiliser l'insécateur, hein. Un sécateur ici, mais moi c'est un sécateur support que j'ai monté et pas le dégât. Néanmoins, on doit pouvoir utiliser Scarabrut. Voilà, donc Scarabrut qui est un 4 étoiles qui s'invoque du coup. Et je vais prendre ici l'insécateur du coup support des œufs pour faire évidemment proc
le talent type. Et derrière, en tant que support, je vais prendre Staros qui va tanker du coup avec son esquive. Alors on va changer ici de bracelet. On va prendre tout ce qui est attrait aux insectes ici. Hop, et on va y aller comme ça. Alors, du coup, que fait l'insécateur support de l'œuf? Du coup, on a un Omni vitesse plus ici, et on a un deux nono à fond qui va augmenter l'attaque et la vitesse. Donc, on va faire un Omni vitesse plus, un deux nono à fond, et derrière, on va spammer Taillade. Tout simplement. Et du coup, Staros, lui, le mien qui est en 3-5, est un duo free to play, que j'ai 4 étoiles, plateau monté, donc il y a un peu d'investissement sur le duo quand même, ce qui me permet de l'utiliser pour tanker. Et on va pouvoir claquer un Omni défense SP+, et on va se mettre un tout ce qui glisse dessus pour augmenter notre esquive. Le Sam et du coup Scarabrut, ça va être notre striker, on va faire une attaque plus et c'est tout, hein, sachant que le je veux savoir ce que tu vaux va lui augmenter sa vitesse et va lui permettre de se soigner, donc ça sert à rien de le claquer alors qu'il est full vie. Et derrière on va enchaîner des plaies croix avec ok, donc un omni vitesse, hop hop hop. Faut pas hésiter à se booster, de toute façon on est dans les derniers étages, donc il faut pas vraiment hésiter à se boost. Hop, voilà, on a monté l'attaque, la vitesse. Voilà. Donc il fait pas énormément de dégâts Scarabrut tant qu'il est pas méga évolué. Donc là on va le méga évoluer tout de suite. Hop. Alors ils font quand même pas mal d'attaques de zone en face, bon, diminution de défense SP c'est pas très grave, enfin d'attaque SP plutôt c'est pas très grave étant donné qu'on fait que de l'attaque physique. Voilà, on est passé en méga Scarabrut. On va prendre une morsure sur... Ouh, on prend par contre un... On prend un peur, ça c'est un peu embêtant, ok il y a un raté ici. Pour l'instant on s'en sort quand même pas mal, voilà on a eu ici la Staros qui est sortie de sa peur. On voit que l'insécateur support commence à faire de plus en plus de dégâts, hein, sachant que Taillade, plus vous allez le faire, plus ça va faire des dégâts. Voilà, ici on prend pas trop de dégâts et encore on prend quand même assez cher, donc là on va faire une deuxième capacité duo avec Scarabrut. Normalement on devrait éliminer le Pokémon du centre. Hop, voilà. Et on va passer du coup Poké sur le côté. On va soigner sur Scarabrut. Ce qui est pas mal, c'est que c'est un striker avec un soin hein, ici. Alors il y a Staros qui s'est soigné. C'est parce que c'est un de ses talents de son plateau. C'est-à-dire que quand il esquive une attaque, il a un pourcentage de chance de se soigner. Voilà, tout simplement. Donc là. Il a esquivé l'attaque du poké de droite et il s'est soigné. Ok. Troisième passé. Donc les trois on sont passés sans trop de difficultés avec pas des gros pokés. Alors évidemment il y a eu Mewtwo au premier, mais le reste c'est pas non plus des gros duos. Donc on arrive à l'étage 29. Donc l'avant-dernier de la Battle Villa ici. On va regarder un peu les infos qu'il y a. Donc on voit que il est sensible. Il est sensible à la, aux attaques spéciales et à la confusion, lui. Celui-ci est sensible au ligotage. Et derrière, c'est attaque SP. Ils sont tous sensibles quasiment à l'attaque SP. Donc, conseil pour vaincre le boss. Ici. Parce que... Ok. Conseil pour vaincre le boss, c'est-à-dire se mettre de la défense. Alors, on va garder Staros en tant que tank, en fait. Et ici, eh ben, évidemment, on va... chercher à prendre des duos qui sont qui vont être assez efficaces. Donc, ici on va bien entendu prendre Mewtwo, on va reprendre Mewtwo ici pour ce duo là, donc on va passer en bandana d'attaque. On voit qu'il nous reste ici deux duos qu'on peut prendre, sachant que notre Lac Messing n'a plus de PPC, donc n'a plus de potions ni de buff. Il va falloir qu'on trouve un autre support qui potentiellement peut soigner.
Donc on va prendre Pikachu. Voilà. Pikachu qui est un support qui soigne très bien. Hein. Donc ici on va mettre Psy, même si ça sert à rien parce qu'il n'y a aucun des trois duos qui va faire des attaques en des attaques de type physique, pardon. Et on va voir si ça passe comme ça. On n'a pas de Striker Insecte ici. Normalement, Mewtwo devrait faire le taf. Alors, on va se booster quand même ici, ainsi que la défense. On va spammer l'éclair avec, du coup, Pikachu. On va faire de la balle ombre avec, avec Mewtwo, parce qu'on voit que le POC du centre a une faiblesse, du coup, ombre. Voilà, donc ça va faire un peu de dégâts. Est-ce qu'on va avoir une récup PPC? Non, on n'a pas eu de chance, par contre, sur les récup PPC, même si on a pu avancer tranquillement, on n'a quand même pas trop trop eu de chance. Hop, alors ici, on va attendre que Staros fasse son attaque. Voilà, capacité duo ici. Pour commencer à monter les stats. Un petit Paralyze qui proc. Donc là, on va peut-être mettre KO le duo du milieu. Non, pas encore. Une balle ombre et ça devrait suffire. Voilà, Staros esquive ici. Hop. Et on va s'occuper des POC des côtés, ici maintenant. Simplement parce qu'il y a une faiblesse insecte au centre. Et on balancera nos capacités duo sur, sur le POC du centre. Alors on va peut-être soigner Pikachu parce qu'il risque de prendre cher avec la première capa duo. Donc là on va passer, on va rester sur le côté. On va relancer un Psycho ici. Hop, on va soigner Pikachu avant qu'il prenne la capa duo. On va repasser au centre, capacité duo. Mettre un soin sur Staros qui risque de prendre un peu de dégâts ici. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une récup PPC? Ça serait pas mal qu'on ait une récup PPC du coup sur, sur Pikachu, histoire de pouvoir soigner derrière Mewtwo. Hop. Oui, on a une récup PPC. Donc on va soigner Mewtwo ici. On va finir du coup. Nidoran sur la droite, on va passer ensuite sur la gauche. Hop, on va passer ensuite sur la gauche. On va se remettre un buff sur Pikachu histoire de monter la capa du haut. On va pas attaquer ici, on va garder notre énergie pour relancer Psycho. Voilà, histoire de one shot le POC sur le côté. On va attendre que l'éclair ici passe. Et on va capa duo avec Mewtwo. Voilà, on va lancer les attaques avec Pikachu et Staros. Et ici, on a le choix. Soit on fait balle ombre, soit on fait psycho. Moi, je vais faire psycho. De toute façon, les deux coûtent exactement la même chose. Ok, on prend un psycho. Ah, quand même pas mal de dégâts ici, psycho. Ok, on va faire un critique. On va attendre un peu, donc là, potentiellement, il y a des chances qu'on passe pas avec cette équipe à 100%. Voilà, Staros, et tout. Bon, bah, il nous a full one shot. Donc, c'est pas grave, on va prendre un autre duo. De toute façon, je pense pas que j'avais qu'on allait aller jusqu'au 30. Alors, la seule manière qu'on aura ici de terminer le 30, je pense, c'est de prendre un gros striker, qui n'est pas un striker free-to-play. C'est d'aller chercher un Dracaufeu, par exemple. Si on veut vraiment essayer d'assurer le 30. Alors, équipe. On va faire duo et du coup on va faire entrer en scène. On voit qu'on a, il nous reste un poké à prendre, donc on va prendre évidemment l'Acmessine en tant que tank. On va prendre ici Scarabrut en tant que striker et on va prendre notre insécateur en tant que support. On va mettre hop ça. Et du coup ça, alors on va peut-être mettre plutôt, on va changer, on va mettre du coup brush vol, bandana vol, et on va garder ça comme ça. Là, on va finir le combat, logiquement, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, hein. On devrait finir le combat, ici, en se boostant. On va quand même assurer le coup, hein. On va quand même se booster. Toujours spammer tornade avec l'acmé signe, hein, bien entendu. Donc là, voilà,
On a le premier soin qui a proc sur du coup un sécateur. Hein. C'était peut-être même pas sûr qu'on finisse en fait, parce qu'il fait quand même assez mal le Celeroc en face. Et mon Lac Messine n'a plus de buff, donc on va relativement prendre cher ici. Ouais, il fait quand même assez mal hein, au rang 20, à l'étage 29. Ok, bon, il y a moyen ici qu'on le passe pas, hein. Honnêtement, qu'on le finisse pas. Du coup, du moins avec cette équipe-là. Météor, ok, un sécateur qui a failli passer ici. On va soigner, même si ça sert pas potentiellement à grand-chose, vu qu'il risque de nous one-shot derrière. Une capacité duo en plus. Bon. Du coup, on va pas passer ici. On va utiliser, du coup, nos derniers POC. Voilà, c'était cette. C'était sûr que du coup Scarabrut allait y passer. Il nous reste du coup 3 duos à utiliser. Alors bien entendu, j'aurais pu le passer hyper facilement hein, ici si j'avais pris des plus gros duos. Mais j'essaie de vous montrer avec des duos qui sont plus ou moins free to play. Alors ici on va mettre Celeroc en tank, on va mettre Agatha en deuxième, il va falloir prendre un troisième POC et du coup on va prendre un POC free to play. Voilà, on va changer l'ordre ici, hop hop hop, on va prendre un troisième POC free to play qui est du coup Mascadra. Donc dans ces cas là on va prendre ici dégâts d'ombre et insecte, on va garder insecte et on va partir comme ça. Il y a des chances on y arrive quand même. Alors j'aurais pu prendre Mascadra avant, ça aurait fait proc le talon de type. C'est vrai que j'ai pas été bon là-dessus. On va l'hypnose, on va l'endormir du coup. Donc là on l'a ligoté. On l'a confus. Voilà. Hop, donc nous on va sur insecte. Et on va spammer sur insecte et choc mental du coup avec avec Mascadra. Est-ce qu'on va se refaire un petit hypnose et on va attendre, on va lancer notre capacité duo avec du coup Mascadra hein, qui va faire pas mal de dégâts. Voilà, avec son ligotage qui fait pas mal de dégâts. Bon, évidemment j'ai son plateau hein, sur Mascadra, donc c'est pour ça qu'il fait quand même pas mal de dégâts son ligotage, parce qu'il y a une puissance ligotage en plus. Allez, on va attendre le sur-insecte. Histoire 2, voilà. Bon là il est KO, il va s'auto-tuer avec le ligotage, voilà. 1002. Voilà. On a terminé cet étage du coup 29 et on va s'arrêter là. Il y aura une vidéo évidemment, une dernière vidéo sur l'étage 30 et j'essaierai de combler peut-être un peu sur l'étage 30. Donc voilà pour la battle villa un peu, donc il restera comme j'ai dit l'étage 30. Je ferai également une vidéo, donc on fera l'étage 30 et les coops. Je vous montrerai les coops, comment moi je les fais en solo. En même temps, donc les coops qui sont réinitialisés tous les jours, je le rappelle. Donc je vous montrerai comment. Donc on passera l'étage 30 et je vous montrerai comment on ferait la coop. Et du coup, la prochaine série du coup de la Battle Villa, quand elle va reset la semaine prochaine, du coup le, si je dis pas de bêtises, le 30, donc mercredi prochain, quand elle va reset, eh bah, il y aura une nouvelle série de la Battle Villa. Et cette fois-ci, eh bah, je vous le dirai dans la prochaine vidéo pour vous garder un peu le suspense. Sur ce, je vais vous montrer rapidement les plateaux des duos que j'ai utilisés. Alors, hop, hop. Donc on a utilisé, alors je vais enlever mon filtre. On a utilisé donc Staros. Donc Staros, voici son plateau qui est un plateau 3-5, hein, je le rappelle ici. Qui est un plateau plutôt ordinaire. Lac Messine, je l'ai montré souvent mon plateau, mais voilà celui-ci, donc plateau 3-5 également. Si vous n'avez pas 3-5, vous ne pourrez pas faire ce plateau. Même chose pour Staros. Mascadra, plateau 2-5, que vous ne pourrez pas faire si vous n'avez pas 2-5. Je crois qu'il y a des cases qui se débloquent en 2-5, notamment les cases par là.
Donc ça c'est Mascadra. Ensuite qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme plateau? Donc Pikachu c'est le plateau qu'on appelle le plateau Villa, hein, tout simplement, avec les récup potions, enfin les récup PPC sur la potion, les puissances de soins, etc. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre comme duo qui a un plateau? Mewtwo n'a pas de plateau. Je crois que c'est tout, hein. Agatha n'a pas de plateau. Et du coup, je crois que c'est tout. Celeroc n'a pas de plateau. Scarabrut n'a pas de plateau. Insecateur, du coup, du dresseur, n'a pas de plateau. Donc, je vous ai tout montré, les plateaux des POC que j'ai utilisés. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter à tous très bon jeu. J'espère que vous avez, que vous êtes, que ça vous aura aidé dans la villa et que vous allez arriver comme moi la prochaine fois à passer le niveau 30. Hein. Donc moi je la passe la villa toutes les 2 semaines relativement facilement, mais du coup j'espère que ça vous aide en tout cas ce genre de vidéo. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!